Lester, that was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Yolo, yuhu! On continue notre aventure. Aventuras de Honduras. Et on va aller chercher Lester. Et maintenant les choses sérieuses vont commencer puisqu'on a fait péter le citron à Mark Zuckerberg ou sa copie. Et d'accord, je lisais le SMS. Donc maintenant on va pouvoir passer au braquage. Tout l'intérêt peut-être du jeu, enfin en tout cas du online, oui c'est certain, mais le centre du jeu, ouais, les braquages. Ouh, j'ai l'impression que ma voiture était une balle de ping-pong pendant 2 secondes. Ping, bing, bing, bing. Attention. Ah merde, ce que j'aimerais bien c'est foutre un coup de cul. Hein? Not you, the Dieter Sachs store detective. There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Bon allez, hop. On va l'aider. Now you won. Alright, I'm coming. The one phone call rule is for real policemen, you worthless turd. Non, décidément, faut vraiment tout faire dans cette vie. Yo son of the bitch, yo motherfucker bitch 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 bitches. Allez, on va prendre quelques petits raccourcis à ma sauce. Ce qui n'est pas recommandé dans la vie, la vraie, véritable réalité. Ça fait beaucoup de synonymes de réalité. Olé! Bonjour monsieur, vous avez une belle voiture. Ah. Elle va vous accompagner à votre enterrement. Il mourra riche au moins. Au moins ça. Il sera mort, mais riche. Bon allez. J'arrive, chérie. Ah ouais, d'accord, c'est quand même hard. Le mec il nous tire direct dessus. Oui, j'emmerde une prisonnière. Oui, c'est tout à fait mon style. On s'en fout. T'as pas de ceinture? Ouais. Est-ce que je conduis bien là? Hein? Est-ce que je conduis bien? Coup de cul! Bitches! Ah non, ça c'est ma nul. Oui. Aïe aïe aïe, un borosso borosso. Mais oui, relax. Oh mais en plus c'est chiant, elle peut pas se... C'était beau ça. Love, love, big love. There's no point in losing the
be you. Not really, honey. See, I'm a semi-successful crook. You're a bit of a failure, but hey, kudos for trying. Not that successful if you're in witness protection. Well, I've got an idea. Why don't we see what Agent Dave and the FIB think of this Lovers on the Run act? Ah. Can we drive home, please? Oui, you know, I'm sort of thankful for this. Thankful? This is the worst day of my life. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Ouais. Bon, c'est accessoire ici, mais bon. Elle a fait des efforts, on le sent. Je pense que ça, ça permet de créer des liens plus forts. Alors ensuite, qu'est-ce que ça change véritablement au gameplay? J'en sais strictement rien. Je sais que c'était un peu possible dans GTA 4, mais c'était pas très poussé. Par exemple, il y a vos contacts qui vous proposaient des jeux, faire du bowling ou alors... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre d'ailleurs? Je me souviens juste du bowling. En fait, je les faisais jamais, je les envoyais tous balader parce que ça me faisait chier. Bah là, je crois que c'est à peu près la même chose, sauf que c'est plus poussé. Et c'est bien. Waouh. Alors, exchange. Ah, ce que j'adore faire, les 180. Ça, c'est un truc que j'arrive à faire dans tous les jeux. Dès qu'on peut conduire une voiture, c'est ce que je fais en premier. Et quel que soit le jeu, j'y arrive. C'est un truc de fou. Excuse-moi. Je t'ai pas vu. De toute façon, je suis flic. Donc, priorité, bitches. Allez, on se pose. Ça dégage, ça dégage. Allez, allez. Hein. On fait un peu de place, s'il vous plaît. J'aime bien. J'imagine Lester qui doit flipper, genre. Oh, putain, il y a des... Il y a des sirènes qui se rapprochent. Non, je vais faire choper. Bonjour, bonjour messieurs et mesdames, je suis l'agent Rutnik. Veuillez montrer vos papiers d'identité. Bon. Hein, quoi? T'es sérieux? Putain, t'aurais pas pu me dire avant, espèce d'enculé. Oh, de gamme, non mais... Non mais là ils exagèrent. Ils exagèrent. Ah, attendez. On va essayer de trouver une boutique pas trop loin. Qu'est-ce qu'on a autour de nous? Ah bah on en a juste une pas loin. Parfait. Et je me demande bien c'est quoi les icônes pour cinéma. Enfin, j'ai jamais utilisé. Enfin je suis jamais allé là-bas voir ce que c'était. Et faudrait peut-être... Ah. Apparemment j'ai laissé ma voiture ici. C'est qui ça? Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Ah, ma voiture a été sûrement saisie. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They Sérieux? Oh là là, n'importe quoi. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Mais qui raccroche? Elle a encore le téléphone à la main. Bon alors. D'accord. C'est cool, c'est cool. Pour voir les polos? Non. Là, il faut un truc chic, là, pardon. Ouais, je trouve que c'est classe, non? Ouais, allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Non, non, mais je veux pas les polos, s'il te plaît. Les chemises. Non! Mais il le fait exprès, hein, c'est pas possible. Donc, il y a les polos. Attends.
Chemise jaune intense. Voilà, je suppose que ça devra aller, hein. Il serait content comme ça, non? Il y a intérêt. Sinon, je bim! D'accord, ça c'est une chemise. Bon, bref. Je vais pas discuter parce que sinon je vais m'énerver. Hop. Attends. Sont les tenues de luxe. Ouais, bon, bon c'est pas vraiment le magasin fait pour. S'il te plaît, cours, cours, cours. On va fuir ce magasin de la honte. Ah, j'adore cette, cette ambiance fumée là. Pas mal. Bien foutu. Thanks. No thanks to you. Bon. Mais j'ai que des vêtements discount. Bon bah on va faire toutes les boutiques. Ça c'est un truc dont je me rappelais absolument pas. Bon. Olé. Panneaux qui apparaissent au dernier moment, c'est pas cool du tout. Waouh, j'ai un flic moi. Flic de Alley de Miami. Encore notre discount store. Ah non mais là ça va pas le faire. Sinon faudra retourner à la baraque. J'ai pas envie. Parce que le pire c'est qu'elle se trouve vraiment au bout à l'autre, enfin de l'autre côté. J'ai pas vraiment le choix parce que c'est que des discount store là ce qu'on a. Bon, on retourne à la planque, je suis sûr d'avoir les bonnes fringues qu'il nous faut. Ah, ça me fait toujours le même effet, c'est super beau, splendide. Je suis un flic, priorité. Allez, ça dégage. Et... Oh. Oh putain, t'as de la chance. Je peux... J'ai autre chose à faire que de tirer dessus, mais la prochaine fois, papa cucu. Ouais, je suis très sérieux. Je suis très crédible quand je dis ce genre de phrase. Imaginez un flic. La prochaine fois que tu fais des conneries, Jean-Kevin, je vais te faire pampan cucu. Fais bien attention à toi. Non mais on s'arrête pas en plein milieu de la route là. L'autre il s'arrête en plein milieu. Ah, je me demande si je peux faire tomber. C'est dans quel jeu ça? Just Cause? Non. Si? Non, Need for Speed. Most Wanted. Le premier. Le premier, hein. Ah ouais. Bon, là, notre boutique, là. De toute façon, avec Lingon, je vais me faire des putains de codes de triche de... pour le fric. Et hop, ça passera à crème. Bon. Des vêtements sport, ah, c'est cool. Enfin, quoi que... Oh non, 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 franchement, le pire, c'est que ça coûte 250 € et ça a la même gueule que tout le reste. Non, merci. Bon, on fait un truc classe. Voilà, ça c'est bien, ça. Voilà, ça reste classe, sobre, etc. Patati. 5900 Avec ça, je me paye un putain de PC. Un sacré PC, même. 5900 le PC, ouh. Il y a quand même pire hein, au niveau des PC, mais c'est déjà bien. Hein. Bon, maintenant je peux aller voir Lester, je suis sûr qu'il va me laisser passer. J'ai l'impression que Lester c'est le videur de boîte. Non, vous pouvez pas passer. One again, beast to fly. Je vous prends ça, monsieur? Non? Bon, j'ai cru.
Mesdames et messieurs, je peux vous prendre en stop? Non, toujours pas envie. Non, dommage. Mesdames et messieurs, je peux toujours vous prendre en stop? Oui, non. Oh, oh putain de strike là. C'est absolument magnifique. Strike, non, spare. Là, c'est un spare. Bon, une qui. Bref, on peut mieux faire. Attendez. On va faire ça déjà pour commencer. Et on va accélérer parce que là, sinon, on va se faire démonter la gueule. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est la seule voiture de flic, celle que j'ai, hein, qui est ce design. Le reste, c'est tous des voitures sportives. Je trouve ça un peu étrange. Non. J'adore ces petites barrières qui sont à... D'accord. Invincible. Ah, moi, pas du tout. Yahoo! Wow. Cet arrêt. Cet arrêt brutal. Tiens, hop, ça dégage. Bon, les stars, je t'amène des potes. Je commence déjà très mal. Hein. Les flics nous ont déjà tous repérés. Lester, j'ai un trou dans la poitrine, mais ne t'inquiète pas, tout va bien. I just owe some Mexican hood a couple million bucks. I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, I met him. He was charming. Ouais, mais je survie même aux impacts de balles et aux trous dans les poitrines, donc ça va. Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That group from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City. And he went quiet. Liberty City? Qui ça? Ouais, ça c'est une belle référence à GTA 4 pour ceux qui n'ont pas joué. Bon. À tes ordres, Lester. Oh, magnifique. Les flics m'ont rendu une superbe belle bagnole. Wow. J'ai oublié que ça va vite, ces voitures. What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. But for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but the trail is there. Deposits, withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career, except for one incident. The shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Allez, hop, freinage instantané, j'adore. Allez, sprint, on n'a pas que ça à faire. Putain, un chihuahua. J'aurais buté si on n'était pas en mission. Allez, hop.
Tu vas aller avoir tes photos. Wow. Sir, thank you. Merci. Ah, ouais, je suis le meilleur. Il nous faut quoi d'autre? Ok. Salut ma belle. J'adore cette belle introduction en matière. Our rings start at 8, our pendants start at 12. Alright. So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Ouais. Et merci. C'est bon, c'est très chicos ici. So, we good? Almost. I need to get eyes on the roof of the building. See where the ventilation comes out. Allons-y. Drive around the block and look for a way up to the roof. Je sais où c'est. Hey, j'ai une boule de cristal moi. Je suis Irma, la magicienne, non, la voyante. C'est ici. Regarde ce que je peux faire, Lester, t'as vu? Complètement con. Coup de bourre. Ok. Faudra prendre de la hauteur, ça marche. Je vais m'en occuper. What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Non. Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. Hey, I see the vents. Yeah, I'm looking at the relay. Can you get any higher? Encore plus haut? Ah, il est encore agile, notre petit Michael. Hop. Perfecto. Bon. Et hop. Là franchement j'aimerais bien sauter mais j'ai peur que je sois obligé de recommencer la mission. Ça qui me... Ouais. Bon. YOLO. Ah. Là, on est vraiment obligé de se taper toute la redescente. J'espère que. Voilà. Il y a un bon petit checkpoint? Un checkpoint? S'il te plaît? Oui? Non? Non! Ah, ça c'est vraiment bâtard. Ça, je pense qu'ils ont bien réfléchi à chez Roxa et se sont dit. Il y a des petits malins qui vont essayer en espérant avoir un checkpoint. Eh bah, tiens, on va leur donner un. Rien du tout même, on va leur faire tout recommencer comme ça, ça leur donnera envie... Enfin justement, ça leur donnera plus trop l'envie d'essayer de skipper certains passages chiants.
Putain, les enculés. Donc prenez de la hauteur et faites des photos. Ok, donc il n'y a pas vraiment de de direction, d'ordre. Donc on va... Donc ouais, directement là. Mais attendez, là il y a une échelle. Ouais, si on peut descendre par là. Voilà, faudra qu'on vérifie. Faudra qu'on check. C'est bon? Je me souviens pas. Pas que je me plante, hein. J'ai pas envie de me suicider encore une fois. Remonter dans votre voiture. Hop, ouais, c'est bon, j'ai compris. Et là, est-ce que je pourrais... Ah, non, ça me semble un peu trop, là. Ça me semble même vachement... Si on pouvait s'accrocher aux arbres, à la limite, je pense que ça serait possible. Mais là, visiblement, c'est trop haut. Ouais. Oui, c'est bon, j'ai compris. Espèce de rabat-joie. Allez, cours, Michael. C'est une des missions les plus chiantes, alors s'il te plaît, active. Là, je me demande s'il faut tuer des mouettes. Dans GT4, il y avait, je crois, une soixantaine de mouettes à faire péter. Après, je sais pas vraiment ce que ça débloque. Allez, Michael. On y croit. Allez, des petits pas, comme des petites souris. Oui, enfin... Bon. Here, take your glasses back. Let's go back to the garment factory. I called ahead and told them to start setting up the information. So, what did you see? Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to die for rich assholes to rub his nose in it. Good. The alarm system is linked to the door lock. We'll get a good window if someone talented hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store, by the register. So I'd start there. Glass in the cabinets was bulletproof. C'était beau ça. C'était très très beau. De la chatte comme j'en ai jamais vu. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man. Those vents look promising. I might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. You know what they say. It's your funeral. One of them, at least. Ah, tiens, ma voiture de flic est toujours là. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Totalement archaïque. All the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options. Sure.
showing you all the angles. That's my area of professional expertise. Making decisions, that is your domain, my friend. Here. Je me demande qu'est-ce que fout le portrait de... Je sais pas trop qui d'ailleurs. C'est un tableau connu, mais je sais pas ce que ça fout là. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. That means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your, famous way with people and four carbine rifles. But we can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got to find some in circulation. It's awkward, it's, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run in through the front door or try to play it smart? Non, on va jouer la formule subtile. Subtile. Oui, c'est ça. C'est mieux. C'est plus valorisant, je trouve. Puis en même temps, on tue pas de personnes qui nous ont rien fait, donc. Voilà. Okay. Select personnel with that in mind. As ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes, lead you out through the tunnels. Ok. On va prendre 14. La première fois, en fait, j'ai pris tous les meilleurs sauf pour le hacker. Ça s'est très très bien passé. Ouais, ça va être limité parce que de toute façon, il n'y aura pas de fusillade. Santé maximale, précision 90. Donc, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Ouais, mais de toute façon, voilà. Alors, d'accord. Ah, tiens, il en a une. J'ai rencontré le Life Invader office. Il ne peut pas être aussi bon, mais il est enthousiaste. Ouais. Mais alors, t'as 4%. Attends. Vitesse d'accès. Je crois que j'avais pris celui-là, là, le Christian Fels. Je me suis dit, c'est pas forcément très important, mais bon. Vu qu'on était à chaque fois short, donc on va prendre. Bim, à fond. Good, feminine touch. She'll be able to find any back doors they got. If this is how you want to do it, I'll get moving. Ça me convient. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes. Good. I'll call you when everything's ready. No need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. No. You're a dead man. I'll call you. Et ce sera tout pour cette vidéo et la suite dans la suivante. Quelle évidence. À plus.